Évidemment, il y aurait tellement de choses à dire. D'abord, je voudrais surtout remercier et puis féliciter l'AENA pour cette initiative-là, parce que vraiment, l'événement est à la fois important et en même temps, il n'est pas très connu. On sait, grosso modo, qu'il y a eu la prise d'un camion d'armes par Maillot. On a tendance à le considérer seulement comme un exploit individuel, ce qui est effectivement un acte de courage et de... Mais en même temps, énormément de choses sont restées dans l'obscurité. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'hôpital Maillot, c'est au nom de Maillot qu'il est au nom du camarade. En fait, c'est un médecin français de Tunis, qui était à Tunis, qui a travaillé sur le paludisme, etc. En fait, ça montre en même temps à quel point l'histoire de Maillot est connue des gens et en même temps une grande ignorance par rapport au contenu. Et c'est un événement qui avait beaucoup frappé l'opinion à l'époque, à la fois les Algériens et puis l'opinion des Européens d'Algérie et des Français de France, évidemment pas de la même façon, puisque... mais qui peu à peu, du point de vue historique, restait pas dans l'oubli, mais qui a donné l'occasion surtout à des commémorations symboliques. Bon, on va sur la tombe de Maillot, ce qui est très bien, mais il y a un besoin vraiment de connaître, pas seulement les péripéties opérationnelles, ça c'est l'aspect, j'allais dire, secondaire, non, il était important, mais la signification profonde mérite d'être bien méditée, c'est ce que j'essayerai de faire à travers cet entretien. Alors, je voulais faire une remarque, tu me demandes de dire comment les choses s'étaient préparées avant l'opération ou bien un moment. C'est des choses très intéressantes, très importantes, parce qu'elles donnent une idée à la fois du contexte, de l'époque. Mais ça, c'est l'aspect, d'abord, je voulais signaler qu'il est beaucoup d'éléments existent déjà, que tout le monde peut consulter. Surtout maintenant qu'il y a Internet, alors il y a des liens, par exemple, je donne l'exemple du site de Socialgérie, je propose que Raina, quand il va mettre en ligne cet entretien, qu'il indique les liens par lesquels on peut avoir le récit de l'opération elle-même, du 4 avril 1956. C'est la reprise d'un article du quotidien d'Oran, qui a été fait en 2006 déjà, c'était donc à l'occasion du 50e anniversaire de l'événement, et puis qui a été suivi également quelques mois après, on peut indiquer le lien, la relation de la rencontre entre PCA et FLN qui a suivi il y a quelques semaines, enfin assez rapidement, je ne me souviens pas la date exacte, rencontre PCA-FLN qui a été le prolongement politique de cette opération et qui a évidemment son importance. À propos également de la façon dont le PCA a perçu l'insurrection armée, comment il s'est positionné, il y a aussi un lien pour un article qui est paru également dans le quotidien d'Oran qui s'appelle, je crois, l'histoire vue par le bout d'une lorgnette. C'était à propos de tout ce qu'on raconte, que le Parti communiste n'était pas pour la lutte armée, etc. Bon, là, il y a des indications très précises, concrètes, qui peuvent répondre aux interrogations à ce sujet. Et il y a également, il y a eu... Alors là, si on veut aller beaucoup plus détaillé, il y a des ouvrages, par exemple, il y a un ouvrage assez complet... on a aidé à l'entretien de l'auteur, je crois que c'est Robert Castel, qui s'appelle Le Maquis Rouge. Alors évidemment, il y a toute son interprétation à lui. L'auteur, c'est quelqu'un de... Je ne sais toujours pas comment qualifier de quelle tendance il est, peut-être même des services français qui voulaient
avoir des éclaircissements sur la façon dont les choses se sont passées. Mais enfin, du point de vue factuel, c'était... On lui a donné un certain nombre d'indications. Il a interviewé énormément de militants de l'Algérois, de l'Asblidéen. Sauf que, évidemment, son interprétation, c'est son affaire. Mais du point de vue factuel, c'est très intéressant. Et puis alors, il y a le bon, très bon travail de Mohamed Rabah sur les chemins et des hommes, qui n'est pas consacré directement à l'opération Mayo, mais qui indique grosso modo le contexte de l'époque, c'est-à-dire en particulier les difficultés qu'avaient les camarades soucieux de combattre, ça leur brûlait le cœur, mais qui avaient énormément de difficultés pour trouver l'occasion, l'organisation dans laquelle ils pouvaient combattre, étant donné les réticences d'un certain nombre de dirigeants FLN à accepter des communistes pour des raisons discutables, c'est pas le moment maintenant d'en parler, mais et qui, une fois qu'ils ont trouvé une place dans le combat, soit parce que individuellement ils ont réussi à trouver un créneau, comme c'est arrivé à beaucoup, et on les encourageait pour ça, soit que c'était dans le cadre des accords PCA-FLN. Et malheureusement, ils ont eu énormément de difficultés. Certains même n'ont pas survécu, en partie à cause des entraves, des problèmes qui leur étaient créés, comme le regretté Nordin Rabah, William Mustafa Saadoun, lui, a survécu. C'est un miracle. Abdelhamid Boudiaf également. Babou. Donc, cet ouvrage, il mérite de montrer le contexte politique. Bien sûr, pas complet, il n'était pas destiné spécialement à l'opération Mayo, mais ce sont des ouvrages utiles à consulter. Mais là, je voudrais profiter de l'occasion pour... il y a déjà 50 ans qui sont passés, mais c'est vraiment grand temps de ramasser encore le plus de témoignages, le plus de documents sur... Et ça, c'est une recommandation que je fais, elle est plus générale, elle dépasse l'opération Mayo, le contexte de l'époque. C'est vraiment dommage, pour des raisons historiques, malheureusement, y compris le fait que le Pax n'a pas pu prendre en charge cette tâche qui aurait pu être menée à partir de 90, c'est-à-dire à partir du moment où la légalité du parti a été conquise, mais il n'est jamais trop tard pour ça, et il faut encourager les efforts dans ce sens. Tous ceux qui ont quelque chose à dire ou des documents, il n'y a pas intérêt à les garder. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Les emporter dans la tombe? C'est pas le problème. Et puis, ils peuvent garder la propriété de ces documents, par exemple. Il suffit de faire des photocopies maintenant, de diffuser largement. Il y va de la pas seulement de la mémoire, mais de la bonne compréhension de cette époque, et pour encourager les jeunes générations à poursuivre le combat. Moi, pour l'avoir vu, par exemple, la femme de Georges Acampora, Juliette Acampora, oui, qui m'a dit la dernière fois que je l'ai vue, j'ai beaucoup de journaux qui m'ont été laissés par Louis Pont, par des anciens camarades, oui, etc. Oui. Il faudra que je l'aide à s'en souvenir. Mais la meilleure personne, ça serait le parti. Et comme il n'y a pas vraiment de visibilité du parti, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment faire passer aussi les archives. Oui, il y a beaucoup de camarades qui ont de très bonnes initiatives. Le Moubadar, d'ailleurs, c'est un nom bien choisi quand on dit le Moubadar. Toutes les initiatives sont bonnes et convergent. L'intérêt, c'est que ça donne le souffle de la vie à ces témoignages. Ne pas en rester simplement à des documents. Il y a des historiens, pas tous, heureusement, qui en restent comme ça des documents qu'ils interprètent à leur façon, mais l'histoire, elle n'est pas faite de documents, elle est faite par la vie. Et c'est ça qu'il faut retrouver, le terrain, pourquoi des militants se sont engagés. Mayo, c'est intéressant de savoir pourquoi d'autres ne se sont pas engagés, et quelles sont les raisons profondes qui l'ont poussé à s'engager, et ensuite comment ça s'est déroulé. C'est la vie qui est le soubassement de l'histoire, quoi. Et l'histoire sans la vie, ça n'est pas vraiment l'histoire. C'est vrai que Mayo donne l'impression d'avoir eu cet engagement pour la vie, quoi. C'est-à-dire,
beaucoup de gens qui l'ont connu, oui, avant qu'il fasse ce détournement, qu'il réalise ce détournement, ne pensaient pas qu'il était capable d'avoir une illustration de son engagement aussi héroïque d'une certaine manière. Beaucoup de gens apparemment ont été surpris. J'ai lu ça dans le courage, oui, d'Alain qui dit nous ne savions pas qu'il avait. Mais lui, comme beaucoup de camarades, c'est quelqu'un de modeste, qui vivait la vie au milieu des Algériens. Et c'était aussi un militant avec toutes ses qualités de modestie, de réflexion, et d'engagement, de sincère. Et c'est vrai que si on voit les choses seulement à l'échelle d'un individu, on n'imagine pas toutes les répercussions. Évidemment, son action, elle n'aurait été impossible si ce n'était pas une action collective. Lui-même le concevait comme ça. Les déclarations qu'il a faites, etc., c'est comme ça. Mais c'est certain que les répercussions historiques ont été considérables. À la fois, j'en reparlerai peut-être après, pas seulement militaires, c'est pas seulement les armes qui ont été fournies et qui c'était très important, très utile à l'époque, mais les transformations, y compris sur le terrain militaire à l'époque, du point de vue de la propagation de l'insurrection nationale, à une région centrale qui a encore été indemne, disons, mais beaucoup plus encore les réactions politiques, symboliques, l'enthousiasme que ça a donné à la population, l'impact qu'il y a eu sur l'opinion européenne et sur l'opinion française, qui à l'époque était dominée par l'idée, voilà, l'effet de la guerre, c'est des fanatiques musulmans, etc. Là, il a montré, cette opération a montré d'une façon irréfutable que ce n'était pas une question de religion, mais une question de droit des peuples opprimés à leur indépendance, une question sociale aussi. Voilà l'impact que ça a eu. De telle sorte que, si au début, dans l'opinion algérienne, j'ai dit que chez les musulmans, il y avait unanimité, je parle de la population, de la base, ça c'était une réflexion courante. C'était Alouache qui plus tard a été dans la wilaya 4, qui me l'a dit au moment du changement entre, je veux dire, des accords PCA-FLN. Il avait eu l'occasion d'avoir des échos. Il était revenu du maquis de Bouinan, où étaient des camarades. Donc, pour ce contact avec le parti. Et il y avait une atmosphère. Il y avait une minorité partisane de militants plus ou moins anciens, TLD ou FLN, qui entretenait une suspicion, qui disait, voilà, ils l'ont fait, les communistes ont fait ça uniquement pour noyauter, etc. C'était un réflexe, ce qui restait du sectarisme d'avant. Mais tout ça a énormément reculé, de telle sorte que vous avez dû vous en rendre compte avec les commémorations annuelles, le nombre de gens et surtout l'élargissement des milieux qui venaient participer aux commémorations. À tel point que même des gens dans des institutions qui peut-être à l'époque, je parle de ceux qui étaient à ce moment-là dans l'armée française, s'ils avaient été désignés pour fusiller Maillot, ils l'auraient fait. Mais avec le recul du temps, avec la pression, avec l'environnement national, la signification de cet acte est apparue et il s'associe également à cet hommage. Ça, c'est important. Je reviendrai sur l'importance politique. C'est vrai que ces dernières années à Alger, les commémorations de l'assassinat de Maillot, et puis l'hommage à son geste. J'arrête tout bien. On fait une pause. Oui. On donne les coordonnées, les liens sur lesquels on peut consulter. Parce que souvent, avec beaucoup de bonne volonté, on a envie d'avoir de l'information.
Et puis, il y a un petit détail technique, pratique, qui empêche de le faire. Je me suis rendu compte qu'énormément de gens, des camarades, quand on leur dit, mais toutes ces questions que vous posez, on a déjà répondu, j'y ai répondu depuis longtemps. Maintenant, s'il y a des questions supplémentaires, et c'est normal, c'est possible à travers les sites, à travers l'AINA, à travers... de poser des questions pour lesquelles on pourra, je pourrais, dans la mesure où je peux, ou bien je peux orienter vers des témoignages d'autres participants pour y répondre. C'est un travail continu, en fait, un travail de mémoire qui doit se poursuivre. Il y a aussi beaucoup d'historiens qui s'intéressent de plus en plus, et ça c'est aussi une très bonne indication. D'autant plus que les historiens ont besoin eux aussi d'être informés. Par exemple, il y a une historienne anglaise qui nous demande est-il vrai que 300 ou 400 communistes ont été assassinés dans les Aurès, etc. C'est bizarre, c'est vraiment... Et, en fait, elle se fondait sur un roman de Boujdra. Alors Boujdra, il est un peu fantaisiste, hein, quand il raconte, c'est une fiction, mais pas, il a le droit de faire des fictions. Mais enfin, quand ça touche, ça risque d'induire en erreur, parce que le phénomène des Aurès, c'est vrai qu'il y a eu de l'anticommunisme, mais c'est un phénomène beaucoup plus vaste, c'était vraiment le chaos tribal et beaucoup de luttes de clans, etc., qui ont touché évidemment aussi les communistes, parce que là c'était aggravé quand il s'agissait de communistes, mais on a eu quelques camarades assassinés. C'est triste, c'est très grave même, mais par ailleurs il y a eu des camarades comme Gerlof, ou bien comme Mohamed Gerlof, qui était membre du comité central, ou bien comme Chebchouk Sadr, qui ont combattu et qui sont tombés dans des circonstances où l'anticommunisme n'a pas joué. Et qui ont eu même, j'ai lu un ouvrage d'un certain Rahal qui était dans les Aurès, Makiza, qui donne un très bon ouvrage sur les Aurès, qui parle d'ailleurs de mon frère Cadet qui était avec lui aussi à l'époque. Mais il fait un éloge extraordinaire de cette Chebchouk. Voilà, enfin, pour dire l'importance de ces témoignages, et puis de pas nécessairement. On peut faire état aussi de lectures dans lesquelles on voit comment cette opération Maillot a été déformée. J'ai vu par exemple un ouvrage de certain Basta, ou bien de Dr Toumi, qui reprend, peut-être inconsciemment, l'idée que les communistes sont rentrés là-dedans uniquement pour noyauter le FLN. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment l'idée que les communistes peuvent être patriotes et vouloir lutter au lieu de se faire arrêter comme des moutons par les colonialistes. Et là, c'est très... Enfin, signaler toutes les choses qui... dans l'occasion de mettre les choses au point, la vérité historique. Voilà. Alors, est-ce que tu veux qu'à présent, on commence un peu fasse un petit quart d'heure sur le déroulement des événements. On peut entrer dans le vif du sujet, oui. Et puis, voilà. Et puis après, on reviendra sur ces aspects. On fait une petite pause. Oui, on fait une petite pause. Et puis, on reviendra après sur les enseignements encore, parce que je pense qu'il y a encore... Oui. D'accord. Il va falloir s'adapter à cette situation. Oui. Il ne faut pas qu'on oublie. D'accord. Dans une demi-heure, je pense que je pourrais aller. Donc on a largement le temps là, d'épuiser cette question. Oui. Vas-y, tu peux poser la question. Donc alors, la question c'est. Tu enregistres là? Oui, je vais appuyer. Donc en prévision donc, de cette opération. Il est évoqué dans l'article social d'Algérie que les choses étaient un petit peu pressées, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus beaucoup de temps pour la réalisation.
Et que l'organisation, donc combien de fois, alors la question ça serait, combien de fois Henri entre en contact avec le parti pour les préparatifs de cette opération? Oui. Oui, évidemment. Quelquefois il y a eu des rencontres directes, et quelquefois ça a été par des liaisons. Évidemment, on n'avait pas intérêt à ce qu'il y ait des rencontres trop fréquentes, sinon ça aurait pu faire échouer l'opération, même s'il était suspecté. Et là, le problème, c'était que la nature de l'objectif même faisait que on était pris par des délais. Alors, par exemple, pour prendre contact avec lui, il y avait longtemps qu'on essayait de reprendre contact avec lui. On ne savait pas trop où il en était. On recensait de tous les côtés, parce que l'interdiction du parti a créé des conditions où beaucoup de camarades se sont trouvés dispersés, même géographiquement, n'étaient plus au même endroit qu'avant. Ensuite, il fallait plus de précautions pour les contacter. C'est pas comme avant, tu donnes un coup de téléphone, il y a une réunion et les camarades sont là. Là, donc, il y a eu un hasard heureux qui a fait que on a pu la rencontre avec William. C'était une très bonne chose. Mais à partir de là, là aussi, les choses sont devenues très pressantes, parce que la date d'un transport d'armes, par exemple, n'était pas fixée. Il fallait donc un plan qui tienne compte de tous les calendriers possibles. Ensuite, à propos de ça, lui-même était en situation un peu instable dans l'armée. Il allait terminer la durée de son service, où il était rappelé. Et donc, s'il était libéré, à un moment donné, étant donné que les choses n'étaient pas encore prêtes, le transport d'armes n'était pas prévu, et il a fallu qu'il rempile, comme on dit, c'est-à-dire qu'il reprenne un engagement dans l'armée. Et ce n'était pas du tout une chose simple, parce qu'à la faveur de ce réengagement, il y avait le risque qu'il fasse une enquête sur lui, et qu'à ce moment-là, donc il y avait beaucoup de choses comme ça d'improbables, d'imprévus. Et c'est pour ça qu'en général, à partir d'une structuration dans les grandes lignes des combattants de libération, qui a commencé à partir de février 55, d'ailleurs, contrairement à ce que... Mais c'était un processus progressif. À partir d'une structuration générale, on laissait une grande initiative. Il y avait une décentralisation pour les opérations, il y avait une orientation d'ensemble. Mais dans ce cas précis, on a été obligé au contraire, de centraliser au maximum, à tel point que c'était la direction des combattants, et en particulier Béchir, moi-même. Il y avait aussi Lucette Laribert à l'époque, et également, plus ou moins également, Jacques Salor. Mais il a fallu absolument centraliser pour être prêt à réagir d'une façon très rapide, et parfois même entrer en contact direct avec des acteurs. Il fallait voilà, ça a été le... Comment dire, et dans ces conditions, alors, quelquefois, Maillot est venu, y compris dans le lieu le plus clandestin, c'est-à-dire celui où Béchir était hébergé. On l'a rencontré là-bas pour mettre au point, mais évidemment, il ne fallait pas renouveler souvent cette chose-là. Donc ça a été par des liaisons de plusieurs façons, dont la plus importante, la plus régulière, disons, c'était celle de Marie-Lise Benaïm, Myriam Ben, qui est l'écrivain bien connu, qui était institutrice du côté de Welfonda, qui assurait le plus régulièrement cette liaison, et qui connaissait d'ailleurs Henri à la section de communiste de la Redoute. Ils avaient des raisons
Puis on a fait aussi des contacts à travers à Miliana sur place, près de la caserne donc, de Miliana, par des camarades qu'on a envoyés comme si c'était un tourisme pour une quinzaine de jours, de façon à ce que l'information pour la date de l'opération soit connue le plus rapidement possible. Ensuite, il fallait aussi transmettre les directives. Il y avait des rendez-vous précis à prendre, etc. Et il y avait eu un épisode, là, il y aurait eu un autre scénario possible. Au lieu de s'occuper d'armes vieilles, anciennes, dont l'armée française se débarrassait pour les ramener sur Alger, il aurait été possible de monter une opération avec des armes modernes, américaines, débarquées à Alger, se dirigeant vers Miliana. Bon, d'une part, il y avait une difficulté, évidemment, concernant la date, mais la plus grande difficulté était qu'il fallait une opération qui se déroule sur le trajet entre Alger et Miliana, et avec l'intervention d'unités combattantes déjà rodées, et seule l'ALN pouvait à ce moment-là avoir cette possibilité. Et malheureusement, l'absence de contact avec le FLN, qui se dérobait vraiment du dirigeant que nous connaissions, nous savions parfois même où ils étaient hébergés, quelquefois il est arrivé qu'un camarade communiste et un FLN soient hébergés par la même personne, séparés seulement par une cloison. Et tout ça étant... Mais n'engageons pas des discussions, des contacts officiels. Il y avait vraiment des raisons politiques discutables. Ça, je ne rentre pas dans ce sujet. Donc il aurait fallu cette coopération dès ce moment-là, dès qu'on a eu l'information. C'est pour ça que rapidement, on a abandonné cette hypothèse pour... compter seulement sur nos propres moyens et dans des conditions où les dates pouvaient être beaucoup plus précises. Je dirais d'ailleurs, entre parenthèses, que ce n'est pas le seul moment où ce besoin d'armes qui était brûlant, d'ailleurs qui était à l'origine de discussions, de polémiques à l'intérieur même du FLN. Lorsque le contact a été pris avec le FLN, après les accords PCA-FLN, au début 1957, à partir du moment où des contacts avaient été pris, il aurait été possible que certains pays socialistes à l'époque, comme l'Albanie et la Yougoslavie, avaient donné leur accord au camarade Larbi Bouhali qui était sorti d'Algérie en décembre 1956. Ils étaient d'accord pour livrer, ils disaient, donnez-nous seulement un endroit où on peut les déposer. Malheureusement, à ce moment-là, le contact s'était coupé avec la direction du FLN, qui ont quitté Alger à ce moment-là, étant donné ce qui s'est passé avec la bataille d'Alger. Mais même avant, déjà, il y avait des difficultés à entrer en contact. À tel point que Guerrouge, qui était déjà dans les combattants de libération, donc qui était intégré aussi au FLN, a essayé de contacter les responsables du FLN pour leur demander qu'est-ce qui se passait, pourquoi la direction du PCA souhaitait une rencontre pour éclaircir en particulier les raisons pour lesquelles certains combattants étaient mis de côté. Suite au congrès de la SOMAM. Je me souviens très bien que j'ai eu cette information quand j'étais à ce moment-là. Quand j'ai eu cette information, j'étais hébergé du côté d'El Bihar. C'était à peu près à l'époque où il y a eu l'attentat contre Frogé, le maire de Boufari. C'est-à-dire qu'il y avait des difficultés vraiment à contacter déjà la direction du FLN avant même. Ils partent d'Alger et ils avaient raison de partir parce que la situation était devenue intenable pour eux, les réseaux FLN étaient vraiment en grande difficulté. Tout ça pour illustrer que c'était pas facile de coordonner, et donc
Je crois qu'il y a eu un contact avec Maillot, mais là, c'est pas moi qui l'ai pris, je pense que c'est Béchir. Je ne sais pas si ça s'est déroulé à ce cabanon-là de la pointe Pescade dont je parlais, où était berger Béchir. Là où je l'ai revu, le contact direct, le dernier contact direct que j'ai eu avec lui, c'est juste après l'opération. Une fois l'opération terminée, il est venu là et je le raconte dans le récit là sur Social Jerry, comment c'était pour organiser son et le transférer à la personne qui l'a pris en charge ultérieurement. Voilà. C'était pas facile. Mais donc, comme je disais, il fallait une coordination centrale très poussée. Et c'est pour ça qu'en dépit des risques, c'était pas orthodoxe que les dirigeants principaux mettent la main à la pâte directement en contact avec lui. Mais il fallait à ce moment-là le faire pour des raisons de rapidité. Et là, la tâche. Et c'était nécessaire parce que il fallait coordonner d'un point de vue des effectifs qui ont participé. Il y avait, disons, ceux qui ont participé le plus activement, le plus directement. On pourrait dire, il y avait, quand j'essaye de me remémorer les noms, entre une dizaine et une quinzaine de camarades. Maintenant, ceux qui ont participé occasionnellement, pour l'opération, je parle, hein, on pourrait aller jusqu'à une trentaine. Parce que chacun apportait sa petite contribution et il fallait, disons, faire la jonction entre eux. Et du point de vue composition sociale, ce n'était pas des militaires. Ça, j'insiste beaucoup. À part deux ou trois, peut-être, qui avaient fait leur service militaire, à commencer par Maillot, tous les autres étaient des simples citoyens, ouvriers, contremaîtres, enseignants, ménagères, commerçants, chacun de son côté a apporté. Et ça, la mise à l'épreuve, on dira, mais comment ça se fait, comment on a choisi les compétences? D'abord, on n'a pas choisi, c'est-à-dire qu'il y avait un grand éventail. Et il fallait de toute façon choisir ceux qui étaient les plus proches pratiquement des conditions de l'opération. Parmi tous ceux qu'on a contactés, en tout cas, il n'y en a pas un seul qui a eu des hésitations. Ça veut dire qu'ils avaient été éprouvés dans les luttes précédentes, les luttes sociales, les luttes assez dures d'avant le novembre 54. C'était ça le vrai le test, le critère pour les... Et donc il y avait cette diversité sociale, et il y avait la nécessité de coordonner aussi entre les secteurs militants. Il y a eu trois secteurs militants, pour résumer. Il y avait l'Algérois, les camarades de l'Algérois, il y avait les camarades de l'Atlas blidéen, de Blida, qui ont joué un grand rôle à ce moment-là dans la liaison, le transfert des armes, etc. Et il y avait, sur le terrain, à le SNAM, toute la base militante de l'ASNAM, qui était très importante à ce moment-là, ouvrière, paysanne, syndicaliste, etc., qui a joué un grand rôle. Et ce n'était pas une liaison, l'importance vient de ce que c'était pas, pour en ce qui concerne le Schneuf, par exemple, ce n'était pas seulement parmi les effectifs militants, ou bien le noyau de camarades. Maquisard, qui était dans cette avec Maillot, Garab, Sardoun, etc. C'était, ça s'étendait à cause du travail extraordinaire qu'avait fait Abdelhamid Boudiaf. C'était les paysans, c'était les ouvriers, les fonctionnaires. Une implantation sans laquelle le travail ultérieur de l'ALN n'aurait pas été possible. C'est pas un détail. Mustapha Sardoun raconte maintenant comment il est sorti de l'encerclement. C'est en se mêlant aux ouvriers moissonneurs qui faisaient la moisson.
et qui, eux, étaient tout à fait dans le bain, déjà, à cause des luttes syndicales, à cause des luttes... Voilà, il y avait donc à coordonner entre ces trois régions. C'était pas un travail facile, mais on a eu à la fois, je crois, beaucoup de chance, je veux dire, et puis le travail vraiment méticuleux, Béchir s'est vraiment, comment dire, investi dans ce travail-là, et ça a été un succès, donc à la fois militaire et politique. Alors, militairement, c'est pas seulement l'acquisition d'armes. Quand quelqu'un comme le commandant Bourga, par exemple, a dit que la première arme qu'il a utilisée, c'était une arme provenant du stock de Mayo. Et il le disait avec... Il a été très bien dans ses relations avec les camarades, avec les communistes. Je le signale dans Social Mairie, là. Donc c'était précieux, déjà, en soi, à ce moment-là. Mais c'est surtout, militairement, le fait que toute la zone... centrale de l'Algérie, qui était une tache grise en quelque sorte à ce moment-là, s'est mise dans la lutte armée. Et la jonction de l'ALN s'est faite entre l'Est et l'Ouest du pays. D'ailleurs, si on consulte l'ouvrage de Haït Amran à propos de ce qu'il raconte des lycéens de Ben Aknoun, il se trouve que lui était à Tiaret à ce moment-là. Et il a repris tardivement, très tard, contact avec l'ALN parce que, par une rencontre par hasard à Alger qu'il a eue avec Ousli Khomar. Mais Haït Amran raconte que la jonction s'est faite. Alors il cite les trois détachements qui étaient prévus, en tout cas, ou qui ont réalisé partiellement cette jonction. Et entre autres, il cite un détachement de jeunes de Loire-Senis, dont je ne donne pas les noms, mais visiblement c'était le groupe de combat dans lequel était Nourdine Albin. Mais malheureusement, qui a été aussi freiné dans son élan par les étroitesses de certains dirigeants du FLN et de l'ALN à cette époque. Et pour dire l'importance stratégique que ça a eu. Maintenant, au plan militaire, maintenant au plan politique, alors là c'était énorme aussi, parce que l'impact qu'il y a eu dans la population musulmane, dans l'opinion européenne et dans l'opinion française, ça a montré, ça j'y reviendrai, que le caractère de la lutte, il y a beaucoup d'enseignements politiques qui à ce moment-là sont devenus plus clairs. Qui n'était pas aussi clair à l'époque, mais qui de plus en plus, aujourd'hui ça paraît presque évident, mais c'était une grande conquête à l'époque. Et puis ça a permis de rompre la barrière de sectarisme qu'il y avait vis-à-vis du Parti communiste algérien. À l'époque, toutes les formations nationales, il y a eu un mouvement d'ensemble qui a été unanime, en tout cas pas unanime, mais disons massivement pour mettre en avant le FLN comme représentant, c'était 56, c'est vraiment un moment assez crucial. Eh bien, il y avait des courants qui étaient pour exclure le PCA de cette... Mais finalement, l'action des combattants communistes, des CDL et du Parti communiste a fait admettre cette idée dans l'opinion en montrant combien c'était important, combien c'était bénéfique pour la cause nationale. Et que être communiste, ce n'était pas du tout contraire au patriotisme, mais au contraire, je dirais même, c'est ma conviction, que plus on était communiste et plus on avait des chances de mieux servir la cause patriotique. Ça, on peut dire autant pour l'internationalisme. Voilà. Tu sais, Mohamed Aouissi, quand j'ai fait son entretien, disait un mot. Il disait ce camion d'armes, ça a été la dot du parti vers le FLN qui a permis, de passer sur les incompréhensions ou les préjugés. Oui, c'était une façon, en réalité, c'était au cœur du problème, c'est-à-dire que ça montrait combien il était important que l'union soit large et sans exclusive.
Parce que là, c'était un besoin vital, tout le monde le ressentait. Et à un moment donné, ça a montré à quel point c'était utile. Alors à partir de ça, il y avait un éclairage politique qui en découlait. Ça veut dire que plus on élargissait l'Union sur des bases de principe, évidemment, c'est pour l'indépendance, et plus la cause nationale devait gagner. C'est pour ça, symboliquement, du point de vue, la dot, c'était effectivement, c'était matériel, mais c'était inestimable du point de vue politique. Quoi. C'était un grand pas en avant. Et c'est valable pour aussi quelque chose dont la direction du FLN a mis beaucoup de temps à s'ajuster aux exigences nationales, c'est la coopération avec les pays socialistes. Pendant des années, c'était seulement sur un plan humanitaire, aide aux blessés, envoi d'étudiants dans les... Mais ils faisaient le maximum pour ne pas, comme ils pouvaient penser, se mouiller aux yeux des Occidentaux. C'était un mauvais calcul, vraiment. Même si on s'en tient au seul point de vue tactique. Mais là, à partir d'un moment, à partir de décembre 67, alors là, sous la pression la base populaire et des militants et des combattants, la base qui disait que c'était pas possible, surtout avec le prestige accru qu'elle venait d'avoir le système socialiste qui a bloqué l'invasion de Suez en octobre 56, qui ensuite le prestige des Spoutnik, etc. Tout ça a fait que... Et puis on est après Dien Bien Phu, mais c'est-à-dire qu'il y avait... Oui, aussi... oui, mais encore il y avait de très fortes préjugés contre le camp socialiste, tout au moins de la méfiance. Ben Khedda, quand il est parti à Pékin pour la première fois en 59, à l'aéroport de Genève, il y avait Mabrouk Belkhoussine qui était avec lui. Il lui a rappelé quelque chose, parce que quelques années avant, quand l'armée populaire chinoise avait libéré, je crois que c'est Shanghai, enfin une grande ville, ils travaillaient tous les deux au journal L'Algérie Libre. Et pendant quelques jours, le journal était bloqué parce que les uns voulaient dire libération de Shanghai, les autres disaient occupation de Shanghai par l'armée populaire chinoise. Alors à ce moment-là, quand Belkhedda devait aller à Pékin, Mabrouk lui a dit « Tu vas à Pékin libéré ou à Pékin occupé ?» Alors il a souri, évidemment, c'était devenu beaucoup plus clair. Mais les choses étaient... Lorsque le GPR a commencé à la coopération avec les pays socialistes, je ne me rappelle plus la date exacte, mais il y a des archives qui figurent dans les archives de la révolution de Mohamed Harbi. Celui, je crois que c'était, j'ai oublié le nom, le secrétaire de relations, qu'on appelait Socrate Ben Habils, il a fait état des, comment dire, il n'y avait pas un seul dossier concernant les pays socialistes, pour dire à quel point il y avait un retard. Bon, j'arrête là, c'est pour dire l'importance, le pas en avant politique qu'a constitué ce qui était une opération ponctuelle, mais en fait qui était au cœur des problèmes politiques, des problèmes de l'Union, etc. Et bon, je reviendrai sur cet aspect tout à l'heure. Oui. Voilà. Alors juste une petite, un petit point. L'un des retentissements de cette affaire Mayo, c'est aussi montrer aux Algériens que la guerre de libération n'est pas une guerre raciste aussi. Absolument. C'est-à-dire que oui. Là, on est face à... Et je crois que c'est un des points particuliers du Parti communiste. Oui. C'est-à-dire, s'il y avait des sentiments, effectivement, qui existaient spontanés dans la population, cette action a apporté un nouveau soutien, disons, aux orientations qui étaient défendues, pas seulement par les communistes, mais même par certains dirigeants du FLN. Des dirigeants très ouverts, comme Ben, comme Ben Mehdi, et même par des dirigeants de l'Oulama avant le 1er novembre 1954. Là, ça a apporté un poids supplémentaire pour éduquer les populations dans
des réflexes tout à fait compréhensibles quand il y avait des massacres, des atrocités commises par les troupes françaises. C'était à peu près, c'était compréhensible qu'il y ait des réactions de la population algérienne, globalisante, vengeance, etc. Ça se comprend. Mais il restait aux dirigeants du mouvement de libération à éduquer les populations pour que les actes, les ripostes soient politiquement efficaces. J'y reviendrai tout à l'heure, par exemple, le caractère des actions faites par les combattants de libération, à commencer par exemple cette déclaration de Henri Maillot pour son action, pour montrer que c'était une action qui avait un sens politique. Ce n'était pas un acte de trahison envers l'armée française ou un acte de... félonie, comme disait du côté français, ou bien un acte de noyautage politique. Non, c'était vraiment le sens politique. Et chaque fois qu'il y avait une action des combattants de libération, en tout cas tant que les combattants de libération travaillaient d'une façon... les groupes travaillaient d'une façon autonome, comme ça a été obtenu pour les groupes des villes, ils pouvaient apporter leur note, politique. Quand il y a eu le châtiment d'un raciste d'El Bidar, qui avait fait des ratonnades dans les montagnes de Tablat, quand il a été abattu à El Bidar, il y avait un tract des camarades qui étaient déjà intégrés dans le... Mais ils ont expliqué pourquoi que ce n'était pas une action raciste contre la population européenne, mais que c'était le châtiment d'un raciste, quoi. Et puis c'est vrai que moi, des exemples. Moi, ça me fait penser à l'attitude qu'ont les Diap et les responsables du Viet Minh. Oui, oui. Quand ils disaient, nous aimons la France, nous n'avons aucun problème avec la France, il ne s'agit pas du tout d'une guerre raciste. Nous voulons avoir d'ailleurs, après notre indépendance, des rapports chaleureux avec la France. C'est-à-dire démarquer en fait la question de libération du peuple, de la question de la haine de l'autre peuple. On a la haine contre les oppresseurs, mais les camarades vietnamiens ont fait un excellent travail. Ils ont tout fait pour gagner l'opinion française et aussi même des combattants du corps expéditionnaire français pour les gagner politiquement. C'était un aspect très important de leur lutte. Et d'ailleurs, l'insurrection, la préparation de la lutte armée au Vietnam, c'est connu qu'il y avait un état de préparation technique très avancé, mais Ho Chi Minh disait aux combattants qui étaient impatients de combattre, attendez, il faut tenir compte des conditions politiques, il faut aussi une éducation politique. Et ça, c'est... Et les camarades, dans les combattants de libération, ceux issus des combattants de libération, il y en a d'autres aussi dans l'ALN, qui avaient le même... la même orientation, je veux dire des FLN, et parfois au risque à leur propre risque, ils évitaient que les opérations engagées, alors que c'était plus facile, mais pour éviter des représailles, par exemple, contre les populations algériennes. Yves Tong, quand il a placé la bombe, il a fait attention ensuite de que ça ne cause pas des dégâts, qui aient des victimes humaines. Dans l'opération Mayo, par exemple, l'un des participants du commando, Farrugia, on peut dire maintenant, il demandait, il disait, bon, qu'est-ce qu'on fait on le liquide, le chauffeur du camion. Bon, les camarades lui ont dit, tu es fou, non, il faut... Et tout a été fait pour... préserver sa vie, malgré que ça présentait des risques, parce que par la suite, quand il a repris conscience, il a entendu le bruit du camion, le type de camion qui partait avec le chargement d'armes. Je veux dire par là, le risque physique qui est pris, oui, le risque physique qui est pris, il est minime par rapport au risque politique que les choses tournent au désavantage de la résistance armée. Et de la cause patriotique. C'est pour ça que le chauffeur, comme disait Taïb Bouharawat, il m'a dit que le chauffeur avait été, endormi comme ça. C'est-à-dire oui. On lui avait mis, je ne sais pas, de l'éther. Du kélène.
Kellen, c'est moi qui l'avais procuré. Bon, mais ils n'ont pas su bien s'en servir. Il fallait que ça soit plus profond. Plus... Mais enfin, c'est un détail. Oui. Oui. L'opération est un succès. Oui, oui. Voilà, mais un succès militaire et un succès politique. Et succès militaire parce que même l'action militaire a été menée politiquement. Voilà. C'est tout, je crois qu'on peut arrêter là pour une pause. On pouvait parler de l'apport bénéfique sur le plan politique qu'a eu cette action, y compris pour le présent, dans la mesure où on en médite bien, on réfléchit bien aux enseignements de fond qui nous apparaissent aujourd'hui encore plus clairs. Quoi. C'est des raisons qui ont fait le succès et l'impact de cette action, mais qui des enseignements qui restent aujourd'hui très valables. Alors, par exemple, l'un des enseignements, c'est que le critère qui doit être en premier lieu dans le choix des alliances ou dans pour juger des acteurs politiques, c'est avant tout leur disponibilité à l'action unie. Et non pas l'appartenance ethnique ou linguistique ou religieuse ou c'est-à-dire que on juge quelqu'un d'après ce qu'il est capable de faire. Alors pour Maillot et tous les autres camarades européens, ils étaient nombreux, pas seulement ceux qui ont participé à la lutte armée mais ceux qui l'ont soutenu. Leur mérite, que certains musulmans enfin, ont dit, Adakistan al-Jinnah, ils méritent le paradis. En fait, même ceux qui n'y pensaient pas vraiment, inconsciemment, ils pensaient que celui-là, il est plus musulman, il voulait dire par là, plus patriote, plus dans ses actes, que Bachar Abou Alem, qui est justement un traître. Tant de traîtres devenus oui, qui soutenaient à l'époque le régime colonial. Et si on transpose pour aujourd'hui, dans le monde arabe, comment on peut juger les monarques d'Arabie Saoudite et autres, les Algériens, enfin les peuples d'Égypte, de Tunisie, etc., sont certainement beaucoup plus proches de révolutionnaires, etc., que ils se sentent pas proches du tout de ces féodaux. Oui, de féodaux ou bien d'intégristes qui font le jeu des impérialistes. Je pense pas je dis pas islamistes parce que là aussi il y a des distinctions à faire, mais on doit juger par les actes. C'est vraiment le critère si on veut pas se tromper en politique. Un autre aspect. Je crois que l'importance pour les forces progressistes, à mon avis, d'agir en préservant toujours la plus grande marge d'autonomie possible dans le cadre d'une alliance. Parce que, d'ailleurs là, ça a été pendant un bon moment dans le pays et des motifs d'incompréhension. Certains disaient, mais pourquoi le Parti communiste ne se dissout pas? Alors que il avait accepté l'intégration, c'est-à-dire à trouver des solutions de compromis qui permettent de concilier à la fois l'union, l'action unie, et l'autonomie. Et cette autonomie, ce n'était pas un luxe, ce n'était pas une fantaisie ou bien le signe de sectarisme. C'était le fait que dans cette position autonome, on avait plus la possibilité de servir la cause mieux, la cause patriotique. Quand il y avait des orientations erronées, ou bien quand on demandait de soutenir l'action armée par l'action de masse, comme ça c'est la justesse s'est démontrée avec les manifestations de décembre 60,
eh bien, on rendait service à la cause nationale. On avait la possibilité, nous, de donner un avis autonome, alors que, étant totalement, c'est-à-dire si le PCA n'avait pas la possibilité d'exprimer son avis avec son point de vue, etc., ça serait, on n'aurait pas rendu service. Au moment du 13 mai 1958, quand De Gaulle a pris le pouvoir, etc., il y avait eu beaucoup de rumeurs sur des tentatives qui étaient faites avec Yassif Saadi, qui était emprisonné à ce moment-là, pour essayer de le gagner, en quelque sorte, essayer d'avoir une orientation de troisième voie par rapport au FLN. Bon, ben, Liberté, Al-Hurri à l'époque, a sorti un numéro dans lequel l'éditorial, c'était une citation de Ben Badis. L'Algérie n'a jamais été la France, n'est pas la France et ne sera jamais la France. C'est-à-dire une façon de la même façon pour beaucoup, beaucoup de. Quand on défendait la nécessité de renforcer la coopération avec les pays socialistes, d'éviter un certain type d'action qui porte tort à la cause nationale, ça on n'aurait jamais pu le faire si le parti PCA n'avait pas gardé en même temps. On poussait à organiser, par exemple, j'ai rencontré des dockers qui à l'époque je voulais qu'ils discutaient pour qu'ils s'associent à l'UGTA, qu'ils soient dans l'UGTA. Bon, ils étaient très réticents parce que l'UGTA, quand c'est le moment vraiment d'agir, des grèves, il y avait possibilité à ce moment-là, on ne les voit plus. Bon, finalement, ils étaient autonomes, donc ils étaient libres de décider s'il y avait une action à mener, ils la menaient. Il y avait le docker, je me rappelle, parce qu'il y a un message, c'était le doyen du docker, très écouté, il a été assassiné par l'OAS plus tard. Mais il défendait bien l'idée de l'autonomie, c'est dans le cadre d'orientation unitaire. C'est l'union. Si on n'était pas autonome, on enrichit le mouvement national. Si on n'avait pas autonome, si on n'avait pas créé les CDL, les combattants, au moment où justement le FLN refusait de prendre des contacts, eh bien nous n'aurons pas. On aurait renoncé à l'action à récupérer un grand camion d'armes, par exemple, avec toutes les conséquences positives que ça a eu ensuite. Enfin, je donne ces exemples comme ça. Donc l'autonomie, c'est une chose très précieuse. Ça ne veut pas dire du tout sectarisme, c'est-à-dire on n'a pas agi comme a fait le MNA, c'est-à-dire en situation d'opposition, de lutte pour l'hégémonie politique dans le mouvement. On disait, le FLN dirige. C'était un fait objectif, de toute façon. Bon, au Maghreb, à l'époque, d'un point de vue géopolitique, c'était une illusion de croire que le mouvement communiste allait prendre la tête du mouvement de libération, comme c'était le cas pour le Vietnam. C'était des conditions totalement différentes. D'ailleurs, à l'époque, l'armée Bouhelli, quand il a rencontré Mao Tse-Tung, c'est dans la tournée. Mao, il n'était pas d'accord pour le fait qu'on ait intégré nos combattants dans la LN. Lui, dans son esprit, il disait ce qu'il aurait fallu, c'est une espèce de grande marche, en quelque sorte, mais des conditions. C'est-à-dire, ils n'analysaient pas les conditions concrètes, quoi. C'était, comment dire, illusoire. C'était la meilleure façon de liquider le mouvement communiste dans le pays. C'est-à-dire, pas oublier ce que dit Lénine, analyser concrètement les situations concrètes, évidemment, sur des bases de principes. Voilà l'importance de l'autonomie. Maintenant, l'importance du social. Les gens qui s'interrogent comment ça se fait que des Européens, par exemple, ils aient adhéré à la lutte nationale, patriotique. Mais c'est par la voie du social. Ils se sont sentis les frères de classe de leurs camarades, collègues de travail algériens. Et à partir de là, ils ont mieux compris, ils ont commencé à mieux comprendre la dimension nationale. Évidemment, le social, il ne faut pas, dans le cadre d'une lutte de classe bien comprise, il
ne faut pas le comprendre comme l'opposé du national. C'était d'ailleurs le temps pendant les trois années du PCA entre 1943 et 1946, lorsque Ousgan était dirigeant du PCA et pratiquement avec très peu d'autonomie par rapport à, ou pratiquement pas d'autonomie par rapport au PCF, dont le représentant était André Marty. Bon, ça c'est un autre chapitre qui serait possible de... Mais là, la lutte de classe, à tort, a été comprise comme opposée ou contradictoire avec la lutte nationale, à tel point que ça a abouti à des positions tout à fait erronées, et que ça a même freiné la participation plus grande des Algériens à la lutte antifasciste. S'il y avait une position nationale bien équilibrée, avec le, bien articulée avec le social, au contraire, ça aurait été le PCA là, à ce moment-là a perdu une très bonne occasion vraiment d'influencer beaucoup plus positivement encore le mouvement national, alors que là au contraire ça a été un contentieux qui s'est ouvert pendant des années qu'il a été difficile de remonter, parce qu'aux yeux de nationalistes même sincères mais qui étaient intoxiqués par les anticommunistes, ils disaient le PCA, de par sa nature sociale, il ne pense qu'au social, il est anti-national, enfin il délaisse les intérêts nationaux. Vraiment, par contre, à partir du moment où le social et le national ont été bien articulés, au contraire, ça a donné du poids au mouvement communiste, davantage de poids, et d'une façon bénéfique pour tous les mouvements nationaux. Ça a encouragé les tendances qui existaient dans le FLN pour, par exemple, les appels à une Algérie, c'est-à-dire les appels lancés en direction des Européens d'Algérie, même des Juifs d'Algérie, etc. C'était très positif. Donc, voilà, c'est l'importance du social, mais conçu d'une façon vraiment dialectique. Enfin, de la même façon que, c'est un peu à côté, l'histoire de la modernité, par exemple, les camarades algériens européens s'étaient dit « Nous, on est modernes, les autres, c'est des archaïques », et ça diminue l'envie d'alliance avec eux, ben, c'était pas du tout la meilleure voie pour défendre et la cause nationale et la cause sociale. Alors, ça me rappelle des camarades qui... Eux, évidemment, ils l'ont bien compris. Des camarades comme Domenech Le Postier, lui, il défendait la cause nationale. Il était candidat au premier collège à un moment donné à Bellecour. Il faisait campagne plutôt. C'était pas à Bellecour. C'était Rokizani qui était candidat des cheminots à Bellecour, d'ailleurs, qui a eu un très bon score face à Jacques Chevalier. Mais lui était à Angers Centre, ou bien il n'était pas candidat, en tout cas, il prenait la parole. Alors dans un meeting, il a dit, s'adressant à des Européens, nous sommes une nation et notre ancêtre Abdelkader, alors évidemment, on rigolait parce qu'on lui a dit, combien de voix tu as fait perdre dans le premier collège avec ton discours. C'est-à-dire, le problème, c'était, il fallait pas avoir une conception mécanique de la nation, mais au contraire, montrer qu'il y avait un espace de coopération et de solidarité dans les luttes aussi bien nationales que de classe, quoi. Mais c'est ce qui fait que c'est par cette voie-là que les camarades européens étaient prêts à sacrifier leur vie et l'ont sacrifié au même titre que des Algériens qui étaient, eux, disons, j'allais dire, ils n'ont pas un mérite, non, ils avaient un mérite, mais le mérite était plus grand pour des Européens de combattre pour cette cause nationale. Pourquoi ? Parce que la cause nationale était renforcée par l'esprit de justice sociale. Et puis ça permettait aussi de préparer l'avenir, c'est-à-dire qu'une Algérie indépendante, en mettant à l'avance l'accent sur le fait que les paysans, les travailleurs, les simples citoyens, aurait à gagner dans l'indépendance des droits sociaux, ça leur donne beaucoup plus. Les paysans, ça les motive encore plus. Ce qui, entre parenthèses, montre l'erreur qu'il y avait à
divisait le mouvement syndical à l'époque. Je le raconte bien dans, enfin, à l'époque où c'était encore possible de, comment dire, de, pour le FLN, d'opter pour une solution beaucoup plus constructive. Mais là, c'est l'hégémonie, les luttes hégémoniques entre MNA et FLN qui a poussé le FLN à se précipiter rapidement pour la création du GTA dans des conditions pas bonnes, entre autres, se mettre pieds et poings liés sous l'égide de la CISL, de la CIA américaine. Enfin, je n'insiste pas, là. L'importance du social, c'est vraiment... oui, je voulais dire aussi l'importance d'une approche... oui, donc le social qui est un facteur important de la dynamique nationale. Et l'autre aspect, alors, l'approche politique, y compris dans les aspects militaires, tout ça. Quand on aborde politiquement les choses, évidemment, ça se traduit par une plus grande efficacité pour le... j'en ai donné des exemples tout à l'heure, là, quand on a parlé. Mais c'est clair que la façon dont les combattants de libération concevaient l'action armée, et dont un certain nombre de dirigeants de l'ALN également, c'était le cas des Ben Mehdi, des Abban, etc., qui se sont beaucoup élevés. Si on prend le rapport qu'a fait Abban en 1957 au CNRA, à l'exécutif, il y avait une nette condamnation d'actions mal qui portent tort à la cause, parce qu'ils ne tiennent pas compte politiquement des populations, de la nécessité de mobiliser les populations, etc. Et là, ça a été un des mérites justement du PCA à l'époque, d'attirer l'attention sur ce sujet, à travers les lettres qu'il a envoyées au GPRA en 58-59, où il est dans la brochure aussi le... Notre peuple vaincra, je me rappelle, qui avant les manifestations de décembre a tiré l'attention sur l'importance d'une approche politique, d'une mobilisation politique. Tous les Algériens n'étaient pas en mesure de porter chacun une arme. Donc ceux qui n'ont pas d'armes, qu'est-ce qu'ils font? Il y avait pas seulement ramasser des cotisations, ramasser de l'alimentation, héberger des... Ça c'est une chose, mais plus que ça, c'est d'autres. Mobiliser consciemment, c'est-à-dire renforcer le moral de la population, empêcher que des gens basculent dans le harki ou dans les... Il y avait énormément de... Bien qu'ils soient tout simplement réticents, il fallait alimenter la volonté de lutte et de solidarité. C'était pas facile à l'époque, il ne faut pas croire que c'était la même chose que l'élan d'enthousiasme qu'il y avait dans les 2-3 premières années. Bon, ces lettres-là... plus tard à l'indépendance, quand on en a parlé à Ben Khadda et aussi à la tendance Ben Bella qui était au rang, qu'est-ce que vous avez fait de ces lettres? Il disait, c'est les autres qui les ont mises sous le boisseau, on les a mis dans des tiroirs. En réalité, il y avait au sein même du FLN des luttes de tendance, il y avait des tendances purement activistes au service de sectarisme qui empêchaient une meilleure politisation dans l'intérêt de l'action et de la victoire. Au moment des manifs de décembre 60, les dirigeants du GPRA, leur seul souci, ils étaient angoissés. Chaque jour, ils lisaient Le Monde, leur souci, c'était de voir est-ce qu'il ne va pas y avoir des accrochages à la frontière marocaine ou tunisienne, c'est-à-dire une façon d'internationaliser le conflit avec l'illusion que les régimes marocains ou tunisiens allaient participer aussi à la lutte armée, ce qui était totalement illusoire. Mais ils ne voyaient pas que le salut était dans la population algérienne. C'est les Algériens qui ont la base populaire. Mais il n'y avait pas de directive FLN pour ça. Et heureusement que pas mal d'organisations FLN, des gens dans la Wilaya 4 également, Teguia en donne un bon témoignage, qui ont, se sont solidarisés avec ces manifestations.
Et à ce propos, nos camarades étudiants communistes, par exemple, avec qui j'avais des contacts à l'époque, ils étaient en contact aussi avec la Wilaya 4 et pour échanger des tracts, etc. Mais avec cet esprit qu'il fallait développer la lutte politique. Certains milieux qui se disaient représentants d'organisations de masse sous l'égide du FLN étaient réticents. Par exemple, la manifestation des étudiants de novembre 1960, c'est-à-dire peu de semaines avant les manifestations de décembre 60, ben, ils étaient réticents pour y participer, alors que la cellule communiste s'est associée. Il y avait, entre autres, Hamdine Moula, qui est le frère de Hamdine Yahya, qui a été assassiné par l'OAS plus tard, que je rencontrais, je m'étais en garde pour lui. Mais lui faisait partie de ceux qui étaient associés à cette manifestation. Il y avait une grande possibilité de mener ces actions. Et lorsque l'Albi Bouhali, c'est un texte que je n'ai pas mis encore en ligne, a répondu au livre de Amadou Zgane, qui lui faisait l'éloge du FLN sans réserve. Et pour lui, le FLN allait irrémédiablement vers le socialisme et non pas le Parti communiste. Enfin, il faisait une critique tout à fait de mauvaise foi. L'Albi Bouhali lui a répondu en montrant quelles étaient les orientations du PCA, de soutien total au FLN. Mais en même temps, il disait qu'il y avait, deux ou trois pages consacrées à ça. Il ne disait d'ailleurs rien de nouveau par rapport à ce que le PCA disait dans d'autres publications, à savoir qu'il fallait accorder une grande attention aux mobilisations de masse, à l'action politique. Et bien ça, Ousgane trouvait que c'était un crime de lèse-majesté envers le FLN. Et lui, il cautionnait sans... Et maintenant, les positions existent. C'est-à-dire, chacun peut juger qui est-ce qu'il avait, à qui l'avenir a donné raison. Voilà, enfin... Ceci dit, sans sectarisme aucun envers Ousgane, qui avait par ailleurs d'autres qualités, mais qui malheureusement était dévoyé par le fait qu'il n'a pas bien compris. Enfin, ça, c'est des raisons. C'est un profil psychologique personnel à lui. Voilà, grosso modo, enfin, il y aurait d'autres questions concernant tel ou tel épisode. Ça sera toujours intéressant de revenir là-dessus. Donc, encore une fois, ça serait intéressant que les différents sites qui s'intéressent à cette période de l'histoire recueillent les avis des jeunes générations maintenant, les luttes de chômeurs, etc. Je disais entre parenthèses, si, à propos du social, si Maillot avait été vivant encore, aujourd'hui il serait à côté des luttes de chômeurs. Peut-être qu'il aurait été en prison, peut-être qu'il aurait été... C'est qu'au 19 juin 1965, il aurait été emprisonné, et peut-être torturé, comme en ont été d'autres. Pour dire que l'unité... Les luttes sont à plusieurs dimensions, et c'est en mettant ensemble toutes ces dimensions, anti-impérialistes, démocratiques, sociales, que... les luttes sont plus efficaces. Dès qu'il manque un de ces aspects-là, la lutte devient bancale. Et la lutte nationale, et la lutte... Il faut bien réfléchir à pourquoi l'Algérie se trouve dans cette situation difficile aujourd'hui, dont on peut espérer qu'elle va s'en sortir, à condition de bien tirer les enseignements de toutes les actions héroïques de notre peuple et de l'ALN et de tous les combattants individuellement qui ont... sont sacrifiés dans ce sens. Voilà. Et maintenant, à la prochaine, dans des échanges avec les internautes. Ça peut être... Oui, c'est-à-dire que ce travail de mémoire, j'aurais pu le faire beaucoup mieux il y a une vingtaine d'années, quand les choses étaient bien fraîches dans ma mémoire, par exemple sur le maquis, dans la région de Tenes-Schleuf, etc. Et puis,
les acteurs étaient encore là, vivants, je pouvais les rencontrer. Parce qu'auparavant, évidemment, c'était la guerre, la clandestinité, ensuite, la clandestinité plutôt. Il y a eu même dans le cadre de cette clandestinité des occasions qui ont été manquées, des camarades qui ont pensé que c'était peut-être pas très vigilant de rencontrer Boudiard, etc. D'autant qu'on aurait pu discuter de choses dont j'étais seul au courant et pour lesquelles il y avait des points d'ombre. C'est-à-dire expliquer certains comportements, pourquoi telle et telle chose s'est passée de cette façon au lieu de telle façon qu'on avait préconisée. Enfin, bref, beaucoup des choses importantes qui montraient aussi le degré de mobilisation à la base dont a bénéficié ensuite le FLN. Par exemple, le fait que au départ, la région était, il y avait une très grande influence de cadres MNA et de cadres qui ne savaient pas trop, qui étaient désorientés. Par exemple, quelqu'un comme Omar Ben Mahjoub, Mohamed El-Bak, il raconte bien l'épisode, mais là, nous, on était au courant que on nous l'avait signalé. C'était Omar Ben Mahjoub, un certain Berdadi, c'était ceux avec qui les camarades prenaient contact, mais ils avaient basculé vers le FLN parce que les camarades comme Mustafa Saadoun, Mohamed El-Bah raconte bien la scène, comment ils étaient la cible, ils risquaient d'être liquidés par des gens de l'ALN. Finalement, c'est les camarades qui l'ont sauvé. C'est pas pour ça qu'il a été reconnaissant par la suite, il faisait partie à l'indépendance de ce qui faisait des éditoriaux pour reprocher aux communistes de ne pas être pour le socialisme. Il se contentait d'être pour la voie non capitaliste. Lui était plus socialiste. Enfin bref. Non mais pour dire, il y a pas mal d'épisodes où c'était possible de faire un bon travail. Après 90, le PAC aussi aurait pu faire un bon travail à ce moment-là. Mais malheureusement, il y avait de tels préjugés par ceux qui se croient, ils disaient, dans le prolongement du PAC, c'est en fait, je me souviens toujours d'une scène où l'armée Bouheli, Abdelhamid Boudiaf et Mustafa Saadoun sont venus au siège, c'était pendant l'été 91, je crois, qui venaient pour saluer le parti, pour apporter leur solidarité des vétérans. Ils ont été reçus comme chiens, ils ont ignoré carrément, comme si c'était des importuns, quoi. Quand tu penses à la mascarade qu'ils ont faite au congrès d'aligner les anciens communistes en rond dans Lyon pour dire... Ouais. C'était du cinéma dans lequel certains sont tombés tête baissée, mais... En fait, c'était très possible à ce moment-là. J'ai rencontré Abdelhamid Boudiaf. C'était toujours en 91. Il m'a montré toute la documentation qu'il avait, etc. Et on allait commencer un grand travail. Un travail d'autant plus intéressant qu'il y avait des questions précises que je pouvais lui poser. Sur le travail notamment dans la région de... Oui, de Schleff, de Tenes, Schleff, etc. Et c'était très précieux comme pour l'avenir, du point de vue de la... Il était populaire, Hamid, à tel point, partout où il passait, y compris quand ils se sont dirigés vers le Maroc, parce qu'il n'avait plus à faire la Wilaya 4, pour diverses raisons. Un jour, il a... Dans une source, là, ils étaient allés pour se rafraîchir, il a oublié ses lunettes. Et lui, il était terriblement myope. Alors, de là jusqu'à la frontière marocaine, il a peiné pour... Et puis, un beau jour, là, au Maroc, on lui ramène ses lunettes. C'est-à-dire, de relais en relais, on avait transporté ses lunettes, on savait à qui elles appartenaient. Bon, plus tard, après 92-93, des camarades m'ont sollicité pour faire ce travail d'histoire. Là, je pourrais donner des noms, des camarades, des militants syndicaux qui avaient été assoiffés de... Moi, j'étais d'accord, moi, je suis à disposition, j'ai même fait des propositions pour ça, y compris en utilisant des archives officielles. J'avais fait la proposition de le faire en coopération avec... Institut, comment dire, de recherche stratégique, ou je ne sais pas, bon, camarade mécaniquement dit non. Et plus tard, pour des raisons
sectaires n'ont pas laissé démarrer ce travail. Ce qui fait que c'est fait maintenant en franc-tireur, avec des... un travail d'ailleurs que j'encourage beaucoup de camarades à faire, même si c'est individuel, mais le mieux, ça serait de le faire d'une façon coordonnée, dans un esprit unitaire, en sollicitant d'autant plus que maintenant, Internet donne beaucoup de possibilités. Je reçois parfois des messages de gens totalement inconnus qui disent des choses très utiles, très intéressantes. Des gens que je croyais disparus, ou des jeunes qui racontent sur leurs parents, qui donnent des archives de leurs parents. D'ailleurs, c'est très émouvant. Mais c'est cette continuité des luttes qu'il faut entretenir en direction des jeunes générations. C'est un potentiel énorme. C'est jamais perdu tout ce qui a été fait, au contraire. Le tout, c'est de prendre en charge les vrais enseignements, quoi. Les tâches de l'œuvre. Qui ont failli sombrer à un moment donné. Voilà. Et qu'on essaye de sauver. Ah oui, ce travail de mémoire, c'est pas un travail d'archiviste, hein, c'est pas un travail de purement historique qui a son intérêt. Les historiens peuvent apporter une grande contribution, parce qu'ils peuvent restituer des faits, retrouver des documents, etc. Mais c'est l'affaire de tous les acteurs et l'affaire de l'opinion. C'est inouï le nombre de témoignages indirects qu'on peut avoir et qui sont parfois plus précieux que ceux de militants directement. Je donne l'exemple le fait que Abban, par exemple, était intrigué, j'étais indécis pour la décision concernant la création de l'UGTA. Ah, l'Union syndicale. Bon, moi j'avais. Il nous a donné le nom de Ben Mihoub, un syndicaliste qui était au FLN, qui lui aussi regrettait que c'est le père de Marine Ben Mihoub, une des filles qui sont allées au Maquis à l'époque. Eh bien, mais il y en avait d'autres. Et 20 ans, ou je ne sais pas, 30 ans plus tard, une rencontre fortuite de quelqu'un qui est devenu ancien ministre progressiste, qui me dit, quand je lui raconte ça, il me dit, mais moi, je peux certifier ça, parce que mon père était syndicaliste, j'ai écrit une lettre à la direction du FLN, pour justement, au nom des cheminots, au nom des syndicalistes de Constantine, pour dire que ce n'était pas une bonne chose d'avoir fait la scission syndicale. Et là, c'est des témoignages indirects. Et ça, tout ça contribue à de nouvelles pistes pour une histoire véridique. L'histoire, on ne va pas la faire du jour au lendemain. Elle se construit constamment à travers des témoignages et des travaux avec une éthique historique, c'est-à-dire là aussi qui ne consiste pas à cacher des choses. Je sais que j'ai un des défauts à éviter, c'est pour des raisons partisanes ou d'autres raisons particulières, on a des témoignages et puis des documents et puis on les met de côté ou bien on... C'est comme l'histoire des photos de groupes dans lesquelles on escamote un ou plusieurs des... On n'en trouve pas. Oui, ouais, c'est ridicule, c'est-à-dire que c'est surtout nuisible, quoi. Oui. Eh bien, il y a des épisodes... je sais que... concernant l'opération Mayo, je donne un exemple. Il y a une vingtaine d'années, non, un peu peut-être plus près de ça, j'ai lu un article qui a fait le tour de force de parler de presque tous les acteurs, sauf ceux qui ont joué le rôle principal. Bon, c'est... À quoi ça sert? C'est des malheurs ou c'est... Hein? C'est non, c'est de l'inconscience. Enfin, là, il se met à l'homme qui me gagne. L'inconséquence, pardon. Oui, c'est l'inconséquence. C'est des gens... qui peuvent être de bonne foi, mais qui croient bien faire. Mais, de toute façon, d'abord, ce n'est pas tout le monde qui fait ça, heureusement, et puis ensuite, même ceux qui, à un moment donné, ont pu faire ça, ils se rendent compte que... Et puis ils sont pris par la conscience historienne. Militante, et pas seulement historienne, mais militante et professionnelle. Et parce que là aussi, l'esprit unitaire
au service de l'objectivité, c'est notre grande force. C'est notre, c'est ça qui donnera le meilleur un manœuvre pour les nouvelles générations qu'on doit transmettre.